Hop, hop. Roman Abscess, comment que cela va bien? On est là, on attend ce gros ghost anima, ce gros con. Je suis méchant. Mais c'est affectueux, hein, je l'ai dit, c'est affectueux. C'est affectueux. Ne sachant pas quoi faire, je me prélasse dans les sources chaudes. Alors le plan, la suite qu'on a prévue, c'est qu'on va aller retaper le Glavenus. Donc le Glavenus, c'est celui que j'ai essayé de battre tantôt, le T-Rex avec la queue en lame de feu. Mais dépêche-toi, Ghost! Ça fait 2 heures que je joue tout seul, tu mets je sais pas combien de temps. En plus, je vais devoir attendre que tu lances la quête, c'est ça que j'allais expliquer. C'est que je vais devoir attendre que lui lance la quête, qu'il trouve le Glavenus, qu'il se tape la cinématique, et seulement je pourrai le rejoindre. Ah ouais, il est en ligne, punaise. Je pensais que je ferais qu'une quête avant qu'il me rejoigne. Non, sors de là. J'étais me taper un Barotte et un Akargogwa. Attends. Il y a un moment, faut se dépêcher un peu, hein. Heureusement, il y a des filles pour me tenir compagnie. Eh ouais, tout roc à poil. Alors, plutôt se mettre là, on est. C'est un peu plus chaleureux. On enlève l'armure. Ah, il reste en armure, il enlève juste les jambes. Alors, la nouveauté, le mode photo, ça, on apprécie. On l'apprécie. On patiente, on attend Ghost. Hein. Ah oui, je vais peut-être l'inviter dans le party, c'est vrai ça, je pourrais peut-être l'inviter dans le party. Je pouvais pas le faire avant, vu qu'il était pas co. Oh, et t'as vu Ménépsis? Mon fond d'écran, mon thème de la PS4, je kiffe trop. La petite musique et tout, j'adore. Ah, le voilà. Tout débute. Bâtard. Espèce de bâtard. Et t'es en train de te plaindre alors que gros, c'est ça qui live 1? Pas moi, hein. Ça kill live et alors de On va quoi? se calmer tout de suite, hein. Là, c'est 2 heures que je t'attends, Bah ouais, moi je pensais que tu viendrais 10 fois plus tôt. C'est vrai que tu. T'es dans une partie privée Ouais, je suis ou. sur notre clan. Je suis dans notre clan. Donc je t'attends. Mais. Pourquoi il disparaît, mon personnage? Arrête de disparaître. Le thème est magnifique. C'est le thème de Iceborne. Je crois que je l'ai reçu parce que j'avais précommandé. L'extension, je pense que c'est pour ça. Il y a un thème gratuit, mais Non, c'est juste une image et il n'y a pas de toi. musique. Et Ghost est hyper supra jaloux, méga jaloux. Non, pas du tout. M'en fous. Moi, j'ai Naruto sur mon truc, c'est plus cool. Non. Ouais, je suis pas sûr de ça. Je peux me balader où je veux avec la caméra? Ah non, je suis bloqué. Menepsif, j'aimerais bien qu'on se calme un peu, hein. Sinon, moi, je me casse direct. Et voilà. Direct. C'est Direct. bien, si tu pars, ça fera C'est venir pas les de tu gens. vois, c'est au plus vite, c'est direct, pas direct. Direct. C'est J'avais direct. jamais compris. C'est plutôt direct de dire ça comme ça. C'est direct, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je suis pas dans la dentelle, quoi, tu Non, vois. non. Je vois bien. Ah, il a seulement rejoint la session. On va devoir attendre qu'il lance sa quête Et après aussi, avoir fait son stuff, qu'il cherche le Glavenus. je me suis dit, mec, par rapport à Arc, parce que la dernière fois, les problèmes, c'était pas par rapport aussi, enfin, au Wi-Fi, Attends quoi? je sais plus, Non, mais Arc. par rapport à Arc, pour tes lives, c'est vraiment mourir-mourir. Franchement, on retestera, mais ouais, à mon avis, la Wi-Fi faisait chier ce jour-là. Mais Arc de base me fait déjà chier parce que c'est. Il demande Ouais. tellement de ressources à mon PC. Enfin, pas Arc et stream en même temps, ça. Mon PC, franchement, fonctionne à. Allez, 98% de ses capacités quand je stream sur Arc. Et il y aura toujours des problèmes qui vont venir. Depuis le début, à chaque live, il y a un problème. Et chaque fois différent. Donc voilà, je ferai des petits tests. Peut-être une fois on jouera à deux, je ferai un test, mais sans nos voix, tu vois. Ou juste. Juste un test, voir si tout se passe bien. Et voilà. Alors, ça fait 2 heures. À l'aise.
Alors, j'ai pas la ref, Menepsis, ou alors je ne me rappelle pas. Peut-être que je ne me rappelle pas et que je l'ai, au fond de moi, quelque part. Ah, j'avais dit que j'allais changer l'armure de mon chat, là, que j'en avais marre de ce skin. Est-ce qu'on peut pas le faire à partir d'ici? Palico. Ah, c'est pas là que je peux changer. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Attends, c'est dans cette musique, il y a cette parole-là? Ah, il a posté sa quête, enfin. Oh, j'étais jamais venu ici. Ils ont un sauna, Ghost. Ils ont un sauna. Qui? Bah, le jeu. T'es où? Dans le sauna. Il est en haut? Ouais, il est à... au multijoueur. Ah, je m'en fous, en bah fait. Bah ouais, toi, va dans la quête. Ta gueule. Mais... c'est trop bien fait. Tu rock en moule beat? Yes. Plein de sueur, regarde ça. Plutch, plutch, plutch. Il manque... j'allais dire Caradoc. Comment? Comment qu'il s'appelle? Menepsis, son personnage, c'est Perceval, voilà. Son personnage de Monster Hunter, il ressemble à Perceval. Il manque Perceval ici, là, si là. Et là, Kalia, là. Kalia, elle est pas obligée de mettre un maillot. Il y a aucun souci. Perceval. Ça va, comment ça se passe, là, où t'en es? Là, je suis au téléchargement de la quête. Ok. Oh, regarde mon personnage, il crève de chaud. Oh. Qu'est-ce que se passe? Il est bourré, ouais. Mais je comprends pas pourquoi il fait ça. Ah, ça va mieux. Putain! Qu'est-ce qu'il y a, Zen? C'est une galère de la boîte à fournitures. Ah là là. La boîte à fournitures. Ah, t'es déjà dans la... Ah, t'étais dans le gros chargement de la quête. D'accord. Où est-ce que je peux gérer mon putain de palico? J'ai l'impression qu'il n'y a que dans la chambre qu'on peut gérer l'équipement de son palico. Équipement palico ici. Mais là, là c'est pour les faire. Ah, par contre, du coup, il y a des nouveaux trucs. Non, c'est les mêmes. What? Regarde, Ghost. Regarde le live. C'est trop cool. C'est trop bien. C'est le Biotodus. Arrête. Ouais, je te jure, c'est le Biotodus. Putain. Ah, par contre, c'est là pour le côté hiver, ça peut être cool. Cela on connaît. Lanzanata plus. Faucheuse. Le Bariot. Oh là là, trop bien. Ouragan. What the fuck. Nakar quoi? Oh, trop stylé. Bah, je veux celui-là, moi. Je veux celui-là, je crois. Et Glavenus. Glavenus, pas dingue. Apparemment, son arme... son arme... Mais j'aime bien mon arme explosive. Allez, je fais ça. Bah oui, on attend toujours... toujours Ghost, hein, Menepsis. Toujours. Ce petit con. Je le répète, c'est affectif quand je dis ce petit le con. Le meilleur. Je vois la racine. Ah, t'es dans la cinématique? Ok, putain. Je suis dans la cinématique. Merde, je l'ai pas équipé en plus. Merde, bon, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois l'équipement parce que là, on va devoir rejoindre Ghost. Et très vite que... Très vite, plus vite que ça. Hop, hop, hop. Comment elle s'est fait défoncer? J'aurais pu lancer une vidéo sur tout ça, mais je ne le fais pas. Je crois que j'ai déjà trop de VOD. Il y a, depuis 2 mois, il y a une VOD par jour qui sort sur la chaîne secondaire. Une VOD par jour. Ghost qui coupe la parole, t'as vu ça? Il a de la gueule quand même, le Glavenus, tu trouves pas?
Oui, Baptiste, je trouve qu'il est trop stylé. Je t'entends pas du tout fort là. J'entends ton putain, mais tout doux quoi. Ghost, t'es encore là? Ghosty Ghosta? Est-ce qu'il y aurait un problème chez lui? Ouais. Ah, mais je sais pas, je t'entendais plus et je t'entends surtout pas très fort. Ah non, mais c'est parce que la cinématique était beaucoup trop forte par rapport à ta voix. Ah, oh putain, ok. Perso, je suis une... Brouille-toi! J'ai failli me faire prendre Yes. une... Tu peux rejoindre, je t'ai Ouais, envoyé je un rejoins. nom. Menepsis, perso, je fais une VOD seulement quand j'ai une couronne, donc j'en sors une toutes les 25 semaines. Effectivement. Mais t'as fait des VOD... T'as une chaîne de VOD? C'est vrai, t'as une chaîne de VOD? Je crois que je t'ai tombé dessus une fois. J'ai oublié. Faudrait que j'aille voir. Dans tous les cas, on est en train de rejoindre la quête de Ghost Anima. Si j'annule ma fusée maintenant, tu seras quand même dedans, toi? Je l'ai rejoint légalement, donc ouais. Ok. T'aurais pas dû lancer de fusée, moi je peux la rejoindre tout court, t'inquiète. Ouais, mais attends, j'annule tout de suite. Je me casse pas la tête, je fais des temps forts. Tu as raison, Ménépsis. Peut-être que je ferai un temps fort de cette quête, si elle est intéressante. Même si Ghost Anima n'est pas quelqu'un d'intéressant, on va pas se le cacher. N'est-ce pas, Ghost? Je suis occupé là Oh, surtout. sur ta chaîne Twitch. Donc tes médisances ne m'intéressent guère. C'est bien, tu sais parler, bravo. Il est en stress, hein, il est tout seul. Putain, pute. Il est tout seul face au Glavenus. Pour faire face à un monstre avec une queue aussi acérée. Fais attention. Ce qui est bien, c'est que je peux prendre tout ça là. Ah, parce que lui, il n'en a pas besoin. Qu'il n'est pas là. Bon, c'est ma revanche sur le Glavenus en solo. J'irai jouer pendant 46 minutes exactement, je pense, avant de crever. Donc, cette fois, on est deux. Tu joues quoi, Ghost? Je pense qu'au marteau, tu peux le déglinguer, le Glavenus. C'est pas le bon marteau. Enfin, il est bien, mais il... Je le fais pas méga méga mal, quoi. En vrai, Malheureusement. Ça, c'est un en peu tout cas, chiant. avec ma Morpho Ash, il y a vraiment... Que l'épée, que la tête Bah qui ouais, à mon prenait des avis, c'est dégâts. ça, tu sais. Faut absolument que je lui pète Mais c'est tout. ça, et avec le marteau, je pense que tu peux briser pas mal de ses parties. On est dans la partie désert, mec, là, je peux lui mettre full dégâts, quoi. Mais. Moi, je suis bien. Bah ouais. Et t'as raison, Menepsis, hein, t'as raison, t'as raison. En fait, moi, les VOD à la base, ça m'aidait pourquoi? Parce que lors des premiers lives, ça pouvait arriver qu'il y ait personne pendant 20 minutes, quoi, tu vois. Et le fait d'avoir une VOD, ben, je m'enjaillais déjà, je parlais à quelqu'un. Je parlais à YouTube, quoi. Hein, YouTube. Toi qui me regardes, peut-être. Et du coup, ça faisait que... Même quand il y avait personne, j'étais enjaillé, voilà. Et ça faisait pas bizarre quand quelqu'un rejoignait, parce que j'étais déjà dans le truc. Ça m'aide, en fait. Putain, J'arrive. j'étais dessus et le tuer avant que je puisse faire mon tour sa gueule. Ah, le C'est déjà la bâtard. nuit. Le Glavenmus. Ah putain, je les voyais pas. Oh, foudre insecte. Comment ça va se passer pour toi, Ghost? Oh, tu l'as paralysé! Putain, Ghost, tu m'as encore éjecté. Allez, les gars, c'est reparti pour la vengeance contre le Glavenmus. Des petits objets. Là, il faut cancel ça, mais putain, c'est pas le faire ici. Ah, ok. Il faut cancel. Enfin. Oh! Eh ben, les gars, vous avez vu cette petite arrêt sur image, il y a eu un bug. Hein. Mais je suis toujours en live.
Moi je loot, hein. Je loot pendant qu'il combat. Je loot sévère. Coup de marteau, il va tomber. Putain, carapace mon vieux. Allez. Bon là, perso lui a mis cher à la tête. Hein. Le Glavenus qui prend la pause quoi, exact. Intéressant, Jbouni. Mais tu as raison. Il faut prendre le temps. Moi-même j'ai fait une pause de 10 minutes dans... Putain, moi-même j'ai fait une pause de 10 minutes dans le live. Je laisse un peu Ghost combattre tout seul, hein. Après tout, on va laisser découvrir un peu. Ta mère. Il a une belle portée, hein, quand même. Mais il a une portée de dingue, sa queue est vraiment énorme et longue. Tout ce qu'adore Jbouni. Peut-être Menipsis aussi. Tu poses et tu fais des pauses. Non, c'est dans. C'est dans Brise de Nice. C'est dans Brise de Nice. De quoi? Tu poses et. Hein, tu... Quand t'as fait. Tu poses et tu fais des pauses, c'est dans. C'est dans. Tu poses et tu fais des pauses. Ouais. Ah. Tu te poses et tu fais des pauses. Bah, j'aurais dit. Ouais, j'aurais vraiment dit Brisonis, t'as peut-être raison, c'est peut-être en vrai, on attend. Mec, là j'ai clairement raison, et te laisse même pas. Ah, alors si là t'avais tort, j'aurais trop bon. Juste parce que tu fais le malin. Mais en vrai, t'as sûrement raison. Et c'est dans... Non, c'est dans Brisonis, j'avais raison. Nique ta mère, mec, je sais très bien que c'est dans re, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Ça va, je rigole. Oh, mec, il a... Bah tiens, ta gueule, ça c'est le karma, mec. Je crois que Gauthier est vraiment énervé là. Il s'est pris des petites gifles en mon absence. Du coup. Non, pas du tout. Non, mais t'inquiète, hein. Bah oui, mais. La base quoi. Je suis pas encore mort, moi, au moins. J'ai senti vraiment là, mais tellement là. La vraie satisfaction de. Mais quand je me suis pris le coup. Ah, du coup, ouais, j'ai le fragment en fait, je dois pas aller le chercher. Mais j'aimerais bien qu'on combatte en dessous plutôt qu'ici là. Ouais, j'aime pas être ici. On va la tirer par là-bas. Kaamelott, la base. RPZ Med. Allez, on le regarde combattre. T'as pas envie de l'amener plus bas pour qu'on puisse sauter dessus, faire des trucs? De la vie, t'en as pas besoin en fait. Ah, si, un peu. N'hésite pas à prendre les frags noix qui est au-dessus. Oh merde, c'est un échec. Il va me violer. Non. Merde, ça il fallait cancel, je suis con. C'est pour qu'il crache pas de boule de feu en fait. Oh, on a réussi à cancel son attaque. Ouais. Se souvenir un petit peu. Hardcop. Et du coup, ouais.
Je bounis, si tu vas voir la première VOD de Menepsis et moi sur Monster Hunter, tu pourras voir son personnage qu'il a fait. Il ressemble à Perceval. Enfin, c'est Perceval, en fait. Le Monster Hunter, hein, je parle bien, hein, Monster Hunter. Donc je conseille d'aller voir. Je vois rien. Je crois que je suis sur lui là, mais on voit rien. J'avais planté mon épée dans sa cuisse. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est comme d'hab, hein, Batachan n'y arrive pas tout seul, donc on a fait appel à Ghost Anima et tout de suite ça va mieux. Hein. On se demande pourquoi. Moi, je crois aussi qu'on peut dire que Ghost Anima n'a jamais osé tenter un monstre en solo, car il sait qu'il n'est pas capable de survivre au stress et au combat. Du coup, il attend toujours que Batasha fasse le premier test d'abord, et pour ensuite faire genre le sauveur, quoi. C'est un bâtard. Mais non, c'est juste que... Mec, il se bat avec la Racine, bien. Ghost Anima, il sait que Batasha... Oh... Sérieux, il se bat pas, fils de... Plus tard, ils vont se battre et c'est stylé. Y a pas d'animation de guerre de territoire, mais... Oh mec, t'as vu, je lui ai tiré un truc dans la gueule et il est tombé. Ouais. Il est trop tard pour les excuses. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, il va manger sa queue un moment et je vais le cancel et il faudra l'attaquer tout de suite après. Oh, je viens de lui péter la cuisse. Mec, je lui ai encore pété un truc, enfin, je crois. C'est trop bien. Ah, cancel! Hop là. Tiens, non. Ouais, la Racine est là. Racine est là. Eh ben, éloigne-toi, ils vont se mettre un peu sur la gueule, mais sans garde de territoire, mais... Et la Racine a défoncé tout à l'heure. On dirait que c'est le même... Ah ouais. On dirait que c'est le même combat que tout à l'heure, mais un peu plus rapide. On observe. Oh mec, je veux voir son armure, elle doit être magnifique. Donc du coup, j'ai pas vu pour les filles. Pour les hommes, c'est... Elle est balèze, elle est à son image, quoi. Balèze et métallique, si tu veux. Bah, pour les femmes, à mon avis, ça va être un truc. Mais j'espère quand même qu'elle fera vraiment armure, parce que... Allez, il est... Il en impose, lui, tu vois. Ouais, un mec. Si tu lui mets un string avec deux petites cornes dessus, ce serait nul, quoi, tu vois ce que... Ça serait pas très... Ouais, oh là là, ça le ferait moins, quoi. Non. Les gars, ça va la voix de Ghost en fait? Normalement, ouais, on a déjà joué plein de fois à Monster Hunter comme ça, mais est-ce qu'on l'entend assez bien? Parce qu'il y a les deux commères là qui parlent dans le chat entre eux là. Je peux pas le cancel, j'ai plus de quoi. Oh, mec. Non, ça va, je survis. Et il back en plus. Ouh! Ouais, ça va, on l'entend pas, c'est bien pour nous. Je prends pas mal, hein. Je vais changer d'oreillette. Merci, Menepsis. Ghost, t'inquiète, tu peux continuer à parler. Menepsis a dit qu'il rigolait, que c'était une plaisanterie. Eh ben, j'irai plus voir les lives à Menepsis. C'est vrai que Menepsis, il est en... Donc, il essaie de faire de platiner le jeu Monster Hunter World. Du coup, il doit trouver les monstres de toutes les tailles, les plus petits et les plus grands.
Voilà, avoir les petites ouais, couronnes. C'est méga galère. C'est méga galère et je pense qu'une fois quand il fera un live, j'irai l'aider. D'ailleurs, Menepsis, j'ai une vraie question. Si jamais je viens t'aider pour les combats, est-ce... Putain. Attends. Parce que là... Est-ce que je reprends mes équipements d'avant ou est-ce que je garde les équipements que j'ai dans Iceborne? Sachant que dans Iceborne, forcément, le level est up. Du coup, voilà. Les combats seront plus rapides, quoi. Bah, peut-être que t'as envie. Donc, vraie question. Vous êtes mignons dans le chat, tous les deux. Ah, je vais lui faire un deuxième trou de balle, hein, au Glavenus. Ah, lui m'a coupé en deux. Mais on le défonce, mec. Moi, quand j'étais ici, Allez. Il restait beaucoup moins de temps, tu vois. C'est vraiment le même combat que tout à l'heure, mais en accéléré. C'est impressionnant. Ah ouais. Ouais, je me doute, Menepsis. Alors on fera comme ça. C'est vrai qu'au final, ça t'aidera. Hein. Allez, on va essayer de viser ce... Ah non, j'ai pas de quoi cancel. J'imagine que t'as pas de frag noir. Ah, putain. Merde. Elle est passée juste qu'il va, il va me tuer. Après, quoi. Oh non. J'ai réussi à... Ah bah putain, c'est Kalea qui est mort. Et moi qui ai failli crever. Le combo gagnant, il me stun, et enfin, c'est comme toi tantôt quand ouais, on voit. Ouais, c'est ça avec sa boule de feu. Il prend un attaque, il te stun. Il boite pas encore. J'ai cru un moment, mais non. Putain, en plus, juste quand il a changé de zone, quoi, dégoûté. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai que Ghost, si tu veux partir en chasse avec nous quand on partira... Non, moi je joue pas avec les gens qui sont pas gentils avec moi. Compréhensible. Compréhensible. Moi je joue avec toi, Bat. Bonne question. Alors, je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais je kiffe tellement Glavenus, mec. C'est vrai qu'on a des grenades flash. Hein. Je vais m'en équiper. Je vis sa tête ou sa queue? J'arrive pas à imaginer que je pourrais couper sa queue. Je sais pas. Oula, oh, j'ai déconné niveau endurance. J'ai vraiment déconné là. J'ai bougé. Ah ben, parfait. Là, profites-en, mec. Tantôt, il est resté bloqué, blindé. Putain, je vois rien. On ne voit rien, les gars. Et il y a Ghost qui me frappe. Génial. Désolé, hein, c'est ultra brouillon. Ah, je lui mets masse, hein. J'aurais aimé aussi, mais tu m'as un peu empêché de le taper. Du coup, je vais lui mettre masse maintenant. J'ai réussi à esquiver. Ah, il est par terre. Je l'ai même pas vu. Okay. Et tu l'as remis. Bien joué, bien joué. Pauvre Menepsis. Bam, je vais péter la gueule.
Ce qui est bizarre, c'est que tantôt, sa gueule, je l'ai pété deux fois. Je sais pas comment ça se passe, mais j'ai eu deux fois partie brisée sur sa tête. Va t'occuper de lui, je dois... déguiser. Ça roule. Le jour où tu coupes la queue d'un Glavenus, tu peux être content et être satisfait, je pense. Hein. Je devrais peut-être me heal là. Mais éviter les morts. Ouais, mec, tantôt j'ai combattu un Arcacogua en arène spéciale. Et je l'ai rejoint dès le début. Et au début, j'étais bien efficace, etc. Et puis, je suis mort une fois. Ok, c'est pas grave, mais un peu boulet quand même. Puis je suis mort une deuxième fois. Et là, les autres, ils ont commencé à stresser, tu vois. Parce qu'il restait pas mal de temps de match. Et bref, voilà, j'ai été un vrai boulet. J'ai fini par me mettre sur le côté et tirer des boulets de canon de loin. Chose que j'ai jamais fait dans un combat d'arène. Ah ouais, c'est pas un quoi. Mais j'ai réussi à le toucher. Le narc quoi. Une fois plus là. Ah tac. Et Ménepsis, quand t'es en quête de couronne, c'est quoi ta manière de faire? Tu chasses quel monstre? Tu fais des contrats? T'as des monstres précis? Du coup, il te reste quel monstre par exemple? Ok, là il est pas content. Le flash nuit n'a rien fait. Oh là là, le arrête hein. Faut qu'on capture ? Bah ouais mec. Je suis pas un boulet comme toi moi. J'avoue que j'ai déconné. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un piège maintenant, ok, pour bien l'emmerder, si t'es chaud. Amène-le ici, hein. Tout ça. Sur moi. Il est où? Okay. Il arrive. Bah, il vient tout seul. Il n'est pas resté longtemps, hein. Là, je chasse le Valazag parce que c'est le seul monstre. On va partir d'ici, boitait. Ok. Pas encore. Donc, si je viens, c'est le Valazag qu'on va un peu focus alors. Pour savoir un peu. Hein. Alors, viens, mec. Attends, on prend ça tous les deux là. Déjà. Frag noir. Et là on grimpe au-dessus et on lui tombe dessus, il y en a au moins un ou deux qui arrivera à être sur son dos. C'est pas moi. Et merde, j'étais... Il est où ce con? Il est là où on était, les frags noirs. Ah il grimpe. Ah merde. Putain. En fait je croyais que t'étais derrière moi, sorry. Du coup j'ai été trop vite. Il est pas fait exprès. T'inquiète. C'est incroyable, je crois vraiment que je suis fan du Glavenus. Si tu veux un prochaine chasse, oui, mais si je chope une couronne avant, je passerai à autre chose. Ouais, forcément. Il te reste 12 couronnes. Ah ouais! Eh ben, je viendrai t'aider volontiers. Qu'est-ce qu'il fait, il back là? Ah non. Oh oh! Ça va ta vie? Ouais. Ouais, c'est bon. Pas de problème, pas de problème. Il me reste combien de frags noirs? Il m'en reste deux. Il vient sur toi là, il vient sur toi. Là, il te veut, hein. Allez! Ok,
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Patacha, s'il te plaît. Allez, on va essayer de grimper dessus. C'est un échec. Mais c'est pas grave. Cancel! Bam! C'est un échec, encore. Je voudrais vraiment grimper dessus une fois et faire tomber gentiment, poliment. Oh, c'est la tristesse d'un homme qui rate toutes ses manips. En tout cas, Menepsis, si tu cherches toutes les couronnes des monstres, quand t'auras Iceborne, tu vas pleurer, hein, parce qu'il y en a blindé. Franchement, j'ai plus beaucoup de fragnois là. Il y en a pas ici là, il y en a plus. J'en ai encore 5, t'inquiète. J'en ai retrouvé, c'est bon, tout va bien. J'aime bien les fragnois. Ça paraît pas sérieux quand on le dit. Pourtant, c'est hyper utile. Là, on lui grimpe dessus, les gars. Ah, les bâtards. Là, on y croit. Eh non. On ramasse le petit objet parce que le loot. Là, on y croit. Eh non, il a back. Et je suis tombé sur sa bombe. Bon. Je peux pas le cancel, je prends une potion. Non, dommage. Ah, sorry, j'avais pas vu qu'il le faisait. Pourquoi je me suis éjecté dans le mauvais sens? Ah, je suis enfin dessus! Mais il est dur à monter, lui, il bouge beaucoup, je trouve. Comparé aux autres. Enfin, ça va, c'est faisable, mais les autres, ils bougent vraiment. Rarement. Une ou deux fois, lui, c'est 3, 4, 5 fois. Ok, je l'attaque là, il va tomber. Ah, je peux la faire une deuxième fois, mec. Hein? Je crois qu'il s'est relevé. Ah, putain. Paralysé. Bon, du coup, j'attaque ses pieds. Je lui fais pas masse dégâts. Yes. Merde, raté la tête. Il back, frag noir. Il est trop loin, il l'aura pas. Merde. Je l'ai eu. Mais bon, il back quand même. Cool. C'est pas grave, il va aller vers la Rassiane là, ça va être intéressant. T'inquiète, Menepsis, ça c'est toi qui va. Moi je serai là en tant que. Que comment dire. Les frag noirs, ça les interrompt. Ouais, ça interrompt. Dans leur action. Ah, c'est ça. Ça... Ouais, c'est ça. Ça l'interrompt. Donc s'il fouille, il va... C'est comme une flash ou des trucs comme ça, quoi. Mm-hmm. Et du coup, Menepsis, quand on joue ensemble, ce sera toi le guide. Je te suis, quoi, tu vois. Allez, fightez-vous un peu. Je trouve ça tellement épique, mec. En tout cas, il s'aime pas, hein. Non, c'est trop chouette, hein. Je trouvais ça chouette qu'il fasse une cinématique qui, genre, ils se combattent. En plus, il m'a impressionné, Glavenus, quand il apparaît derrière elle, derrière nous. Je trouvais ça chouette. Je demande qu'est-ce que. Ah, voilà, il va mourir là. Yes, on est tous les deux dessus, mec. Et c'est ici la dernière zone. Ah, on aura quand même mis un peu de temps. Ouais, bah, il va y le faire dodo, hein. Ah, oui, on le capture. On capture ou pas? Ouais, on met mec. Fin. Allez, je le mets en plein milieu, il viendra bien dessus. Hein. Bonne nuit, les petits. Il y a un objet, mec. Il y a un objet. Et voilà, hop là. Mission accomplie. On peut regagner la base. Ça devant sa tête, un peu plus loin. Là où je suis, ici, il y en avait un. Là où je suis, Kalia. Peut-être que tu te l'as pas vu, je sais pas. Et bien voilà, le Glavenus, on l'a capturé. Merci, Menepsis. Tout easy. Oh. T'en penses quoi du Glavenus, toi, alors? Un peu déçu? Moi? Ouais, je sais pas. Je demande. Oh, je le referai, mec, il est beau. Je le kiffe. J'ai hâte de combattre dans d'autres zones aussi.
très bien YouTube. Je pense que j'ai trouvé le combat sympa, donc j'irai la rechercher, rechercher le temps fort sur Twitch et tu verras la VOD. Bon, c'est un peu bête à dire alors que sur ce on win, a la fin. Fit Ghost Anima évidemment. Non, qu'est-ce que j'aurais fait sans lui ? Non, merci Ghost. Après tout, c'est moi qui suis venu à la rescousse hein, de toi, je te rappelle, c'est moi qui ai rejoint ta quête à toi. Donc on va se calmer. Après un échec venant de ta part. C'était pas un échec, j'ai tâté le terrain, je me dis je vais pas le tuer tout de suite, sinon à quoi bon aller le recombattre avec Ghost après derrière ? Ça, voilà. Puis après, oh oui, on va attendre Ghost Anima. Hein. Allez YouTube, ciao ciao. Salut. Donc la VOD se finira à 2h39 de live. Ok, je sais pas combien de temps a duré ce combat. Oui. Beaucoup trop longtemps. Moins de 40 minutes, hein. Oh YouTube, la vidéo n'a pas fini en fait. Hein, putain. Donc vous avez trouvé les écofacts de Belkana. Oui, c'est exact. Commandant, je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Ah, le Belkana est une créature si puissante qu'elle affecte fortement les autres formes de vie du Nouveau Monde. En tant que commandant... Un nom de Janat qui ose chiniser. Ouais. Mais nos ressources, ça me nuise. Notre mission est d'étudier l'écosystème tout en maintenant son équilibre. Cependant, si le Nouveau Monde entre dans une période glaciaire, alors... Ce sera compliqué, hein. Nous devrons partir. Hé hey, mais on fait aussi partie de l'écosystème, non? Chef! C'est peut-être parce que je suis né ici, mais c'est comme ça que je vois la situation. Et rien qu'en vous regardant, je me dis que vous ressentez la même chose. Ouais. Vous avez été témoin de la lutte entre les monstres. Ils se battent sans aucune pitié. C'est la loi du plus fort. Ah, m'ont tué cette bestiole? Le Nouveau Monde m'a vu naître, et je ne compte pas l'abandonner. Waouh. Si vous avez le même sentiment, alors combattez pour ce monde. Oh, je ne peux pas partir. Il y a encore du travail à faire. Tout pareil. J'ai encore des choses à terminer. Alors, combattons. En tant qu'élément de cet écosystème, en tant que chasseur du Nouveau Monde. Ça aurait été cool qu'on soit tous les deux dans la cinématique. Bah, y a même pas mon perso en fait. Ah si. Je dois me préparer à Celiana. Restez ici et assurez la permanence. Allez, à plus. C'est trop bien. Eh bien, sympa tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de plus ? Ok. Ouh, mec ! Les deux prochains monstres, on les connaît maintenant. Tu peux y arriver. Bien YouTube, cette fois c'est un vrai au revoir. Les prochains monstres sont le Tigrex et le Brachydios. Brachydios, est-ce que tu connais toi Gauthier? Moi je connais. Non. Eh ben, il est sympa. Il est sympa, que dire de plus. Je vais pas te spoil à quoi il ressemble, mais voilà. YouTube, au revoir.